Hey yo tout le monde, c'est le Mirage Assassin 2.0. Et nous nous retrouvons pour une petite vidéo présentation. Donc je vais vous présenter une console avec un jeu que j'ai acheté aujourd'hui au Happy Cash. Donc il n'y avait plus la boîte de la console. C'est pas une console comme la PS2 ou PS3, c'est pas des consoles de salon. C'est une console portable que j'avais eu étant petit mais qui avait fait son temps. Je l'avais gardé peut-être 7-8 ans. Cette console-là, j'étais très déçu quand je me suis intéressé à la saga Assassin's Creed, qu'il y avait un opus sur cette console qui était sorti. Donc je vais la reprendre là, puis je l'ai eu en... Ben, elle marche, je l'ai eu sans boîte pour 79,99€, puis le jeu, je l'ai eu pour 1,99€. Donc je vais vous présenter la console, la voici, c'est la PSP. Slim, si je dis pas de bêtises, c'est la Slim. Donc là, vous voyez dans l'écran, c'est mon téléphone qui filme. Donc voilà, c'est la console que j'ai eu étant tout petit. C'était la PSP Slim, parce que tu avais une autre version de cette console, mais les boutons là, en bas, c'était pas les mêmes. C'était des boutons plus anciens. Ça devait être la première version de la PSP. Mais là, c'est la PSP Slim. Je suis hyper content de l'avoir. Je vais pouvoir acheter l'opus de Assassin's Creed qui est sorti dessus. En attendant, j'ai pris un autre jeu que j'avais déjà fait en jeune aussi sur PSP. Donc je vais vous le présenter tout de suite. Après la console. Donc c'est acheté donc pour 1,99€ au Happy Cash où j'ai acheté la console. C'est Medal of Honor 2 sur PSP. Complet hein, avec notice. Donc en tout. Donc le jeu 2 euros, la console 70 euros. Ce qui m'a coûté à peu près... Donc 70 la console, 2 euros le jeu, ça m'a coûté 71,99 €. Donc presque 72 euros. Je suis content de les avoir trouvés au Happy Cash. Attendez. Je reviens les amis. Donc bah voilà, je viens de poser la console. Donc j'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu. Si c'est le cas, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et mettez plein de j'aime et de commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine les amis. Ciao ciao!